Mais moi, j'étais un garçon qui n'a pas du tout connu l'évangile, qui n'a pas grandi dans le contexte d'entendre parler de Jésus. Au contraire, j'ai mené ma vie comme j'ai voulu en étant jeune. Et puis, par la suite, ben, assez jeune, j'ai rencontré une femme. J'ai rencontré une femme et puis j'ai fondé un foyer. J'ai fondé un foyer. Je me suis approché parce qu'elle a été chrétienne et puis elle lisait la parole de Dieu. Et puis, ben, moi, je me suis approché de ces choses-là. Et vous savez, si on a un qui veut notre bien, il s'appelle Jésus, il y en a un autre qui veut que la ruine pour notre vie. Et c'est le diable. C'est le prince de ce monde. Et puis moi, vous savez, ben, le diable m'a ouvert des portes. M'a ouvert vraiment beaucoup, beaucoup de portes. Et puis ces portes-là, ben, m'ont amené ben, dans l'alcool, la drogue, la cigarette. Et puis toutes ces choses-là ben, m'ont vraiment amené loin. Parce qu'à un moment donné de ma vie, ben, j'ai fondé un foyer, j'ai eu un enfant. Et puis ces portes-là, quand elles se sont ouvertes à moi, je me procurais beaucoup d'argent, si on peut dire, ben, malhonnêtement. Je me procurais beaucoup d'argent malhonnêtement. Et puis, ben, comme je vous ai dit, ben, il y a les portes de la drogue qui sont ouvertes, de l'alcool. Et puis, je commençais à sortir pour m'amuser. Et puis, à un moment donné, ben, c'était pratiquement tous les soirs. Parce qu'avec les copains, ben, c'était bien pour un temps. C'était bien, moi je croyais d'être bien parce que bon, j'avais des moyens et puis voilà quoi, on se procurait beaucoup de drogue. Et puis à un moment donné, jusqu'à temps ben, que j'étais vraiment lié. Vous savez, l'ennemi veut nous lier, veut nous enchaîner. Moi je peux vous le dire, j'étais enchaîné du pied à la tête. J'étais vraiment enchaîné du pied à la tête. Et puis ces liens-là, à un moment donné, je ne pouvais plus m'en défaire. Je vous le dis franchement, s'il y en a qui regardera cette vidéo et puis qui est dans cette situation-là, vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup de liens, ça peut être la drogue, l'alcool, la cigarette, ça peut être beaucoup de liens. Parce que l'ennemi essaie de nous lier avec beaucoup de liens, en fait. Et moi, il m'a lié avec toutes ces choses-là. Je prenais entre 4 et 7 grammes de cocaïne par jour, sans compter le crack que je fumais. Et cette chose-là m'a lié encore plus. Me tenait vraiment captif, car le matin, je me réveillais, au lieu d'aller laver ma figure et de me boire un café, je partais directement, je prenais ma voiture et j'allais me procurer cette drogue-là pour pouvoir, eh ben, on va dire, échapper à la réalité du monde. Parce que parfois, eh ben, on est tellement submergé par les problèmes qu'on veut s'échapper, se faire un petit monde artificiel, on va dire. Et puis, ben, moi, je faisais ces choses-là pour fuir un peu les problèmes. Mais la solution se trouvait pas là. La solution se trouvait pas là parce que le plus que je m'enfonçais dans le péché. Et puis, peut-être pour toi, aujourd'hui, c'est impossible que tu t'en sors. Peut-être pour toi, t'es lié ou t'as un problème, que pour toi, tu dis, ouais, mais c'est pas la peine pour moi. Pour moi, c'est impossible que je m'en sors. Pour moi, c'est impossible. C'est fini. Il n'y a plus de solution. Je suis au pied du mur. Mais laisse-moi te dire que moi aussi, j'étais au pied du mur. Moi aussi, j'étais au fond du puits. Et puis, jusqu'à un moment donné, j'étais tellement accro à cette drogue et puis à ces passions-là, à ces choses-là, parce que ça devenait carrément comme des passions, des liens. Et puis, à un moment donné, j'étais tellement loin que chez moi, quand je rentrais chez moi, il y avait toujours des cris, il y avait toujours des pleurs. Ma femme, ben, était toujours en pleurs parce qu'elle savait pas où c'est que j'allais. Je partais des 2, 3 jours, 4 jours de chez moi. Je partais de ma maison des 3, 4 jours de chez moi. Et puis là, c'était la fête. Et puis toutes ces choses-là, j'en passe. Mais je peux vous le dire, réellement, chez moi, mon foyer était détruit. Il était détruit. Il n'y avait plus de dialogue avec ma compagne. Mon enfant, j'avais un enfant, il avait à peu près 2 ans. Je ne l'ai pas vu grandir pendant 2 ans et demi. Je n'ai pas pu l'éduquer. Et puis, en fait, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à nous isoler pour mieux nous anesthésier, pour mieux nous amener là où il veut lui. Et en fait, jusqu'à un moment que dans mon cœur, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer comme ça. À un moment donné, on s'est séparé avec ma compagne, et puis c'était fini. Un certain temps a passé, et puis j'ai réalisé dans mon cœur ce que j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler de Jésus, je savais que la solution se trouvait en lui. Et à un moment donné, j'ai appelé ma compagne et puis je lui ai expliqué toutes sortes,
toutes les choses qu'il avait à expliquer, puis on a trouvé un moyen, puis on a dit, bon, mais écoute, on va essayer encore une dernière fois, on va essayer de se réunir, parce que si j'ai fondé un foyer, c'est parce qu'à la base, cette femme-là, je l'ai aimée. Si j'ai eu un enfant, c'est par rapport à l'amour qu'on a eu ensemble. Le lien qu'il y a eu a créé cet amour-là. Et je n'ai pas voulu faire des malheureux. Mais le monde nous amène à détruire toutes ces choses-là. Ce n'est pas nous-mêmes, parce que le diable nous fait croire que c'est nous-mêmes qui a détruit. Mais ce n'est pas nous. C'est lui qui vient et puis qui met des choses, et qui présente des choses qui fait qu'on détruit notre vie. Et en fait, à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit, il faut que tu arrêtes, il faut que tu t'en sors. Et là, je vous le dis franchement, je me suis tourné vers le Fils de Dieu. Il s'appelle Jésus. Je peux vous le dire, c'est simple, c'était simple, j'ai adressé une prière simple à Dieu. Je me suis présenté devant lui et je lui ai adressé cette prière-là. Je dis, Jésus, tu vois, je suis lié, je suis enchaîné. Tu vois, moi j'ai essayé d'arrêter par moi-même. Pendant toutes ces années, j'ai essayé d'arrêter de moi-même, mais j'ai pas pu. Mon enfant n'a pas pu, ma compagne n'a pas pu, ma famille n'a pas pu, mon père, ma mère n'a pas pu me sortir. Pourtant, ils ont essayé, pourtant, ils me parlaient, puis ils essayaient de tout leur cœur de m'en sortir de cette misère-là. Parce que je peux vous le dire que j'étais vraiment misérable. J'étais, en un mot, j'étais une épave. J'étais une épave humaine. Et puis, jusqu'à un moment donné, que j'ai atteint le fond du puits, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer. Et j'ai adressé cette prière-là. Je lui ai dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens me délivrer de toute cette drogue, viens me délivrer de tous ces liens. Tu vois, moi, je ne peux pas. Alors, s'il te plaît, viens me tirer de cette misère-là. Je peux vous le dire à l'instant même. Pas un jour après, pas une heure après, mais à l'instant même que j'ai adressé cette prière à Jésus. Oui, le Fils de Dieu s'appelle Jésus. Et il est la solution à ton problème. Il est la solution à ton problème pour toi. Pour toi, c'est fini. Pour moi, c'était fini. C'était écrit. On devait se quitter avec ma compagne. Pour moi, ma vie devait s'arrêter là-bas. Mon foyer devait s'arrêter là-bas. Mais à un moment donné, quand j'ai adressé cette prière-là, je peux vous le dire qu'à l'instant même, Jésus est venu. Je ne l'ai pas vu, non. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai ressenti dans mon cœur. Je l'ai ressenti au plus profond de moi-même. Je ne peux pas vous le décrire. Je ne peux pas vous expliquer comment. Mais il faut le ressentir et il faut le vivre. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alors toi, mon ami, mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve, ça ne coûte rien. Ça ne te coûte rien, puisque... En un mot, t'as tout perdu, comme moi j'ai tout perdu, ça m'avait coûté rien du tout. Mais juste une prière adressée à Dieu. Je peux te le dire, le Fils de Dieu est venu me délivrer de toutes les chaînes que j'étais lié, de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. Aujourd'hui, j'expérimente l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la paix dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance dans mon cœur, j'ai un appui. Il s'appelle Jésus, c'est le rocher de ma vie. Je m'appuie sur lui. Je peux te le dire aujourd'hui, chez moi, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de drogue. Non, non, je peux te le dire, j'ai remplacé la drogue, tu sais par quoi? Par l'amour de Dieu dans ma vie. Parce que cet amour-là, j'en ai besoin tous les jours. J'ai besoin de lire sa parole, j'ai besoin de prier tous les jours. Parce qu'il me fait du bien. Chez moi, on prie, on chante avec ma compagne. Que Dieu te bénisse dans cette journée. Mets Dieu à l'épreuve, tu verras. Il va te répondre. Que Dieu te bénisse.